à la tête de ce comité restreint, le ministre provincial de l'Environnement dans le Haut-Tulais, qui fait cette descente surprise ce mardi 24 octobre 2023, ici à l'aéroport d'Iziro Matari. Ici, ce collaborateur du gouverneur Christophe Bessien Nonga s'assure du respect par ses travailleurs des orientations de l'autorité provinciale visant à viabiliser les alentours de la principale porte d'entrée du Haut-Tulais et sont seulement recrutés dans la chefferie Mayogo Mabozo, particulièrement Matari, son chef-lieu. Ces travailleurs sont plus que jamais déterminés. Sur ces infrastructures aéroportuaires, ces affiches parlent d'elles-mêmes. Juste après ce premier site, Raphaël Marie Masoki à Tambana fait escaler ici sur le site du chantier de la prison centrale d'Iziro pour s'assurer de l'évolution de ses travaux d'assainissement. Sur cette place Sefi, elles sont de dizaines à déferler pour convertir le centre de cette ville en perpétuelle évolution depuis 2019 grâce au leadership d'un homme, Christophe Bessene Nonga, ayant juré de tout mettre en œuvre pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, son candidat est celle du Haut-Tulais à la prochaine élection présidentielle.